Grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tokozo, deuxième texte en abisso, au toponé namkole alelo. Ezalina Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Yangwe Lobiboye. Vous demandez et vous ne recevez rien. Ce que vous demandez mal, vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbang, Papa Simon Kimbang, que pouvons-nous vous dire, Papa, que vous ne sachez pas, Papa? Yasolo, nous sommes venus, Papa, Nesikoyo, Papa. Ponaïté Tosanjolayo, Pétoko Misakomanayo, Papa. Le septième jour, Papa. Yo se repose à qui? Au lieu de matangomba, tout kende, tout clamé comme on a eu, tout proclamé comme on a eu, tout installé, renommé na yo, papa. Papa, le bonin te goulo, papa. Bisonio sotoye, nisiko, papa, zenatina moko, papa, et tozo lubiko, nom kole asuka, papa. Papa. Makambo, papa, que je vais dire, papa, ou na bongisi, papa. Et où tient d'ailleurs papa Simon qui me préparation, j'allais qui préparation personnelle. Mais papa, où est-ce que tu m'as fait papa. Pour n'aïté papa, et touché à toi deux ou trois personnes, papa. Afin que nous nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Où est-ce que tu m'as papa Simon qui me papa. Zala la biso, pour bande de la programme, tiens la souka na biso. Nous combattons à ta père, mon appel, mon centre. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai, dans ma prédication d'aujourd'hui, je vais mélanger le français et le lingala. Ce qui est bon, moi, que je tends vers le français et le lingala, c'est parce que c'est mes deux langues que je maîtrise. Et voilà. Donc, Tango Tobandaki, Tozwaki, psaume 79. Psaume Nabiso et à 79. Ezali, base Nabiso et à prédication et à l'élo. Place Likam Nabiso et Bombami. Psaume 79 et le bini de Bana Papa Simo Kimba. Psaume Nabiso 79. Ezali, roi David, Azoyemba. Azoyemba, Azo chanté. Dans son chant, Azo Senga Nzambe, Pambate, Babé Bisaki, Bapayan Bakotaki na Jérusalem. Au roi David Azo Lela Nzambe, Ayoke la Baon Mawa, que Bato Bakotaki na temple Nzambe à Mabé, ou Ebayaki Kosa la destruction, Nzambe Ayoke la Baon Mawa. Na psaume 79, Wanakaka, c'est vrai. Et le bimakambo est belé, où il y a tout ce au sein de notre église. Nzambe a salaki alliance na bango, mais bango ba bébé saki na tina wana, ba singela ngon nzambe pardon. Et ba promettre nzambe que toko servir yo de génération en génération, ce que yo ke libiso mao. Bana papa simo kimbango. Ensuite, tout ce qui exode 20, de 1 à 17. Je ne vous rappelle rien. Exode wana de 1 à 17, de Yokakamo, Mikolona Mikolo. Chaque dimanche, de Yokaka Exode wana. Exode wana est tangel biso mi beko, ou tata nzamba pesaki na bana Israël. Tant on nzamba pesi bango mi beko à l'obina bangoa, mi beko ezali pona l'obiko na bino. C'est pour votre, pour que vous nous retrouviez dans les cieux. Nzamba tangel bango mi beko. Alubina bangwa, mi beko ceux qui vous respectent en haut, ngaina bino toko kutana. Namukole asuka boko za lubiko, mais ceux qui vous respectent en haut, ngaina bino toko kutana te. C'est vrai. Nami beko bana papa simo kimbango. Eloko ya interpelé ngai, oyo na vandi na lubiko.
y a un problème, c'est que, Balobi, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Libé Guanam, tu interpelles Ngaï. Bana papa, c'est moi qui m'en mon église, Lélo. Combien nous sommes à porter des faux témoignages contre notre prochain? Combien nous sommes à porter des faux témoignages contre notre prochain? Et dans quel but? C'est la première recommandation. C'est l'une des recommandations importantes que Dieu a pécie. Que tu oses déroger. Tolobi, non. Nous allons faire selon nous. Bana papa, c'est moi qui me bats. Ce qui te dit bien, hein? Papa Simo qui m'a raconté qu'il n'a pas le connaître, il n'a été que bah porta qui bah faux témoignage contre son nom, bah protestant Nathan ou Akala, bah porta qui bah faux témoignage contre Papa Simo qui m'a et même il n'a pas le connaître. On colle Yesu, ou tu bengi colle Yesu moi na Nzambe, bah porta qui bah faux témoignage en son nom à l'époque Caïphe. Les prêtres, bah moi n'était non, il est dangereux. Bah qui va porter bah faux témoignage, bah conseiller Makambo. Bah na papa c'est moi qui m'en résalie le sous mon mari à mon aîné. Parce que na bah faux témoignage au portaka na mininga. Ceux qui mininga wana qui libanda et qui qui consacre la masoum balobi hein, que les sous moi n'est causant à la mitou na biso. Tomita là tout se poser la question, combien de faux témoignages nous avons portés contre notre prochain? Combien de faux témoignages nous avons portés contre notre prochain? Bana papa, c'est moi qui m'en ou ya solo. Thème nanga elelo nazui ezali un peu dur, si je peux dire ça comme ça. Quand est-ce que le kimbanguiste a perdu la foi? Quand est-ce que le kimbanguiste a perdu la foi? Mais on peut le prendre dans un autre sens, un peu plus tendre. En l'an 3 sous l'ère de Papa Simo Kimba, on t'a fêté en le 6 avril là. Quel est notre bilan de notre foi? Parce qu'il est temps de faire un bilan. Ça fait trois siècles, on va dire ça comme ça. Quel est notre bilan? C'est vrai. La première chose qu'on va dire, on va se demander, qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Namate Ananga et Naropé, ça va être définition. Et belé. Parce que, après constat, je me suis dit, c'est bien de parler, c'est bien de dire des choses, mais est-ce que avons-nous la définition de ce que nous disons? Donc, nous allons commencer par la base, notre origine, l'origine de la foi. La foi est outa wapi. La foi est outa wapi. Bana papa, c'est moi qui m'en m'a pécipité de définition et à foi. Mais les définitions sont souvent en français. Je vais essayer de les retranscrire en lingala pour que nous tous nous puissions comprendre, que ce soit la jeunesse qui ne comprend pas très bien ou nos papas, nos mamans qui sont là. La foi en Dieu signifie s'en remettre totalement à lui. La foi en Dieu signifie s'en remettre totalement à lui. Ainsi que se soumettre à sa volonté et à ses commandements, ainsi que se soumettre à ses volontés et à ses commandements. C'est là où ça m'interpelle. S'en soumettre à sa volonté, pardon, et ses commandements, la foi en Dieu. C'est un engagement profond de l'esprit. C'est pour ça, hein, Tozaki, Éphésiens 2, verset 8. Oui, bah le bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Namate anabiso tokomega ko expliquer en gros. Mais on va commencer par le commencement. Tokozonga na sima. C'est vrai, tant tokenda ke école, bakotanga sarabiso histoire anabiso. Bakotanga sarabiso histoire. Généralement, ce n'est pas nos histoires, pour ceux qui étudient en France. C'est l'histoire des Français. Mais Nasuka, il y a évaluation, il
Vous devez connaître cette histoire pour valider l'année. Mais pourtant, ce n'est pas notre histoire. Mais nous, toi et moi, qui manguistes, notre foi. Quelle est l'histoire de notre foi? D'où vient la foi? Yangwana, tokozonga na sima, tokotala un peu, na sima tokosolola. Na zongiti na papa Adam, na maman Eve, na ebandeli. Pour être logique, papa Adam, na maman Eve. Qu'est-ce qui s'est passé à leur temps? Nzambe a sali bango na image na yi. A pesi bango confiance. Bazala ki na relation wana na Nzambe, bazala ki na kondima na tata Nzambe. Mais il fut un moment où baye ko bebisa. Baye ko bebisa. C'est vrai. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu a laissé ça se faire. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu. Nzambe a pesa ki bango hein. Ba règle, ba commandement, n'est total yawa. La foi, c'est se soumettre à sa volonté et ses commandements. Nzambe appelle ça qui bango, ba commandement. Mais Nzambe appelle ça qui bango, commandement moko, en ce qui les concerne. Vous mangerez de tout arbre, tout, je vous donne tout. Mais l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Il n'a pas dit peut-être, non, il a dit point. Vous n'y toucherez pas un seul commandement. Mais nous connaissons la suite. Papa Adam, na maman Eve, basila ki kolia. Et dès lors, balia ki ango, relation na bangona nzambe et katanaki. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu foi en Dieu. Nous ne pouvons pas prendre que la définition là où ça nous intéresse. Non, la définition a été claire. Et respecter ses commandements. Dès lors où tu ne respectes pas les commandements de Dieu, tu n'as pas foi en lui. Point barre. Il n'y a pas de non. Point barre. Tu ne respectes pas les commandements. Tu ne crois pas en Dieu. Voilà, papa, c'est moi qui m'en ai autokiti. Babengani bamwa na jardin d'Éden. La souffrance commence. De comme une attente où il y a papa Noé. Nous allons un peu passer. Na tango ya papa Noé Nzambe atali mokili. Alubi que non, mokili est comme il m'a bien makasi. Mokili est comme il m'a bien makasi. Dieu le Père décide de détruire le monde. Mais alubi non, na moni quand même que papa Noé était juste. Il n'était pas parfait, il était juste devant Dieu. Il était juste. Nzambe a décidé hein, à ça l'alliance naïe. Mais bana papa Simo Kimba ou tant que Nzambe le bien ça l'alliance na papa Noé. Papa Noé yo kaki mongongo ya Nzambe amona ki ete. Na mongongo ya pamba décidé hein, ya kondima d'avoir foi en lui. Parce qu'il aurait aussi pu négliger, se dire que non, c'est une voix que j'entends, je vais pas calculer. Et il est pas linga ki hein, akufa. Papa Nzambe le bien hein, zwa banana yo, basi ya banana, bon matana arche. Bah ça l'alliance ya sika. Yango mukili tozo mwana lelo. Tokiti susu mwa mukie bana papa simo kimbangu. Tokomi na papa Abraham. C'est vrai, j'aurais pu, dans mon histoire, commencer à superposer ce que je vais dire. Mais tola ndana nous, l'origine de notre foi. Tout comprendre dans nos places, kondima et outa. Ce qui tola dit bien, le début, le commencement, bah tata na bisou. Nos aïeux, babé, bisaki, bandimela, qui nous a embêté. Nzambe a décidé à la source alliance, na papa Noé. Il a cru en Dieu. Ah, la progéniture est descendue. Tito moni, papa Abraham. Papa Abraham, tobenge, l'ami de Dieu. Donc, camarade, y a Nzambe. Mais il n'est pas non plus resté avec lui très longtemps. Hein. Il voyait Dieu une fois. Ils ont marché ensemble avant que Dieu détruise Sodome et Gomorre. Avant que Dieu détruise Sodome et Gomorre. Mais tout à l'heure, malgré la foi qu'il avait en Dieu, Dieu l'a quand même soumis à l'épreuve. Moi, na oyazwa qui n'a pas. Et Dieu n'a pas attendu que l'enfant ait un mois. Non. L'enfant était grand déjà. Donc, Bolimona, moi, là, déjà, Vandaki. Et Kotaki, donc, ils étaient vraiment bien avec l'enfant. Nzambe a le binaïa.
zwa mwana na yo mata na ye kuna pona oke ne ko pesa nga ye offrande. C'est sûr que papa Abraham, dans sa foi, il a été brusqué. Et Ningi Saki, Maloba qui n'a moins n'a été à respecter les commandements. Mipe Konzamba Pesa qui est. Papa Abraham, Azumwananae, Bamati. Et Dieu est allé jusqu'au bout, au point où il lève son couteau pour tuer son enfant. Nzamba le binaye, non. Stop. Namoni kondime la kanga et que tu as foi en moi. L'origine de la foi, bana papa Simo Kimbaon. Entendre l'histoire comme ça, c'est beau. Mais nous descendons. Ensuite, nous sommes arrivés à papa Moïse. Papa Moïse, c'est vrai. C'était un prince d'Égypte. Qui dit un prince d'Égypte dit qu'il était bien dans son confort. Mais Nzambe a zuyé. Abimissié, non seulement de l'Égypte, abimissié d'abord. Ati est dans l'inconfort, Ati qui est dans le désert. Il est parti se recueillir chez Jétro. Navkovanda Navana Kikuna, Avandi Ayuki, Mungongo Nzambe. Amonimo lumière na montagne. Ça l'a intrigué à l'obité. Namatana Kenegotala. Tant à Matin Angomba, papa Moïse, Akutanina Otolubaka, feu ardent. Le feu ardent. C'était pas Dieu. C'était juste du feu qui brûlait, mais qui ne consumait pas l'arbre. Mungongo et Lobi, Nakatia Motoana, Tolanda histoire, bana papa Simon Kimbao, l'origine de la foi. Mungongo et Lobi, hein, Moïse, Abangi, Lobi, oh, c'est l'arbre qui parle. Moïse. Avant que Nzambe apaisse ma commandement, mi peko, tout ce qui s'ensuit, à l'obinaïe, ôte tes sandales, car tu es en terre sainte. Premier commandement, Moïse a salinini, à l'ongo liba sandale naïe. Nzambe a komi ko pesaye mi peko, à l'obinaïe, oko sala boye, 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 po nangaï, oko kende ko libéré peuple nangaï, place basali. Pana papa, c'est moi qui m'aime. Moïse a quitté. Andimeli Nzambe. Pourtant, il avait aussi sa femme, hein, sa vie. Alubina, moi, si n'est pas allé. Tokende, direction l'Égypte. Il n'a pas cherché à comprendre. Mais Moïse a moni qui Nzambe te. Ayoka ki mongongo. A moni kaka moto. A moni Nzambe te. Bana papa Simon Kimbao. Tokiti, hein. Tina Jésus-Christ. L'origine de la foi. Jésus-Christ. Amilakisi, voilà ce que nous avons comme Amilakisi n'a pas tout. Amilakisi n'a pas apôtre. Donc un petit groupe de personnes. Oyo bandimela qui est. Et encore. Parce que celui qui va le trahir, nous connaissons l'histoire, et c'est celui qui mangeait à sa table. Celui à qui il avait fait confiance. Même s'il savait qu'il allait le trahir. Mais Judas, ses désirs personnels l'ont emmené à trahir Dieu. Ses désirs personnels. Bana papa Simon Kimbao. Moutou Oyo a baptisé Kinkolo Yesu pour ne parler que de lui. Jean-Baptiste. Amonikolo Yesu Azoya. Bite. Oyeza Molimo Yanzambe Nazomona. Oyeza Limoana Yanzambe. Il a eu foi. Abanga le binan. Je ne peux pas te baptiser. Kolo Yesu Abine. Non. Et Pesa Melio. Amoni le Saint-Esprit qui tient à Colus sous la forme d'une colombe. Ben, n'a pas passé moi qui m'aime. Mais, sous qu'un Jean-Baptiste, c'est là qui n'est pas nini. Parce que celui qui est au Sima, papa Moïse, Péan, n'a souka, à mon acquis la terre promise. Pourquoi à mon acquis la terre promise? Parce qu'il a dérogé à une règle de Dieu. Il avait dérogé à une règle de Dieu. Il avait mal interprété la façon de vouloir de penser de Dieu. Il avait mal interprété Dieu. Juste ça. Nzamba le binino. Okomona, la terre promise té. Jean-Baptiste, dans sa prison, Bakangi Jean-Baptiste. Donc Bakangi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas si wana. Ce qui peut être compréhensible, hein. N'a pas si wana. Tout ni bayeko ni bayeko talaye. Demandez à Jésus-Christ si c'est vraiment lui qu'on avait envoyé. Ou devrons-nous attendre un autre?
Aïe koli bazongi. Na question wana kaka tunaki. Une simple question. Il lui a fallu, hein, bah décapiter Moutou. La foi. Jean-Baptiste avait perdu la foi en Dieu. Au point de. Pourtant, j'ai dit dans l'histoire, Yem Talobi, wa moi nanzambi. Mais c'est lui, hein, qui a manqué de foi. Papa Simon King, na Canada, le baka. Il a dit qu'à moi nanzambi, le début n'est pas compliqué, c'est la fin. Place Yego Koutabiso. Bana papa Simon Kimbangu, Tokomi, là où ça nous intéresse, l'ère du Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu. Bisou. Tomoni papa Adam, Tomoni papa Noé, Tomoni papa Abraham, Tomoni papa Moïse, Tomoni Kolo Yesu, Tomoni papa Jean-Baptiste, si on peut dire ça comme ça. Tokomi nata on a bisou. Toi et moi qui manguiste. Papa Simon qui m'a envoyé. Le Saint-Esprit est venu et descendu sur terre. Non seulement nous disons que nous avons vu le Saint-Esprit, non seulement nous disons que nous avons vu le Saint-Esprit, Tolobisu Suboe to Vandinaye, et puis to Lienaye, to Melinaye. Waouh! Waouh! Mais la question se pose, notre foi, où est-elle? Combien d'entre nous ici, combien nous sommes, nous n'avons pas dérogé au commandement? Mibeko to dérogeaka chaque jour. Piétinaka, si je peux le dire comme ça, pour être un peu plus dur, qu'on piétine, qu'on marche dessus, qu'on écrase dans son temple. Bana papa, c'est moi qui m'en moi. Tamba papa, nos trois saints-pères, Batiki Bisona Bonzoto. Batiki Bisona Bonzoto. Moi, je n'étais pas là. Je parle rarement de choses que je ne maîtrise pas. Mais comme j'ai dit, c'est l'histoire. Bakoto Naranasuka, as-tu connu ton histoire? C'est mon histoire. Ma foi, d'où elle vient? Tant que papa va tiki bisona bonzoto. Ah, c'est là où maman a dit qu'on bandit. Bana Israël, bah, ça l'a loko bah, bengi, vaudor. Tant que Moïse a mati n'angomba, bah, l'embi, bah, l'bité, tout ça, là, nous amène à biso. Le kimangi, spère. Bah, ça l'y vaudor, naï. Ah, ça l'y vaudor, n'est pas kabeli, bah, tout vaudor. Tant que Moïse a quitté la monnaie qui passe avec Vaudor, quand elle m'a attaqué, mis au pied de sali Vaudor, autobéni, résolution de sali Vaudor. Encore une fois, je n'étais pas là, je ne maîtrise pas. Mais, en analysant la vie, non, topesia, Nzambi, Vaudor, quand elle a Nzambi, ayé, batou, ba, renié, ba, papa. Des fidèles qui étaient autrefois là derrière les papas, avec les papas, qui criaient, qui les glorifiaient. Bah, René Bango. Parce qu'on voit dans les vidéos, c'est l'histoire, c'est ce que j'ai vu. Le cortège de papas arrive. Des humains, des simples humains. Bah, Boakilinzame, ma banga. Bah, papa, c'est moi qui m'en. Pire encore, dans nos maisons, dans nos quartiers, bah, tout va le bien. Nous allons poursuivre les kimanguistes. Et nous avons fait la même chose que Pierre avait fait quand on a collé Sabine. Pierre, c'est bien beau de parler, mais tu vas me renier trois fois. Tu vas me renier trois fois. Bisopé, hein, te renier papa Simo qui m'ont. Combien d'entre nous, nous sommes là? T'as banné qui koboya kola, t'as vert blanc parce que, hein, bah tout. Bon. Yosaki kimanguiste. Yosaki n'a pas papa wanat. Voilà. Te renier papa. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Tokomi n'a un niveau moko qui me dépasse. Oyo, Tokomi quoi accusé. Bana ba papa. Bana oyo batikela ki biso. Qui est la promesse de Jésus-Christ? Je vous enverrai un autre consolateur qui restera avec vous éternellement. Lélo, lélo, hein. Qui manguiste. Comme il quoi accuser, bah, papa. Le même péché que nos ancêtres, Adam et Ève, avaient fait. Tant on zambaye kotuna, bango. Tant on zambaye kotuna, papa Adam. Parce que c'est avec lui qu'il avait un contrat. Pourquoi tu fais cela? Ah, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Lélo qui mangue, ça le bien. Mais c'est les papas que vous nous avez donnés. Kasi ba na boutique, elle a qui bisoté. Ba na boutique, elle a qui bisoté. Ba baby, si l'ingomba, waouh.
la foi. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. C'est pour ça que la lobina matéa nangaya, il y aura des définitions. Peut-être, je me suis dit, dans l'ignorance, nous sommes des ignorants, peut-être, allez, on laisse le bénéfice du doute, hein, mais on va donner des définitions. Que les lotobima, non, je sais maintenant, quand j'agis comme ça, ça veut dire quoi? Comportement nabiso yalelo. L'hypocrisie. Nous sommes devenus des hypocrites. Mais l'hypocrisie, c'est quoi finalement l'hypocrisie? J'ai fait le test dans la semaine de poser à la plupart de nos jeunes ou même de nos parents la question, finalement pour toi c'est quoi l'hypocrisie? Pessinga définit ça, je me suis dit, non, c'est pas ça l'hypocrisie. En fait, tellement qu'on ne sait pas c'est quoi l'hypocrisie, que nous ne pouvons pas nous reconnaître dans le péché. Mais pourtant, nous sommes dans le péché. Je vais vous donner la définition de l'hypocrisie. Le premier péché qui nuit à notre église, à nous les kimbanguistes, nous qui nous sommes proclamés, nous avons dit, nous sommes des kimbanguistes. Nous devons installer le règne de Dieu sur terre. Mais à quel prix? Nous devons installer le règne de Dieu sur la terre. Encore, si on aurait dit au Congo, j'aurais pu comprendre, mais sur la terre, alors que déjà ici même, à Brétigny, sur Orge, nous n'installons pas le règne de Dieu. C'est vrai. Je suis très négatif, c'est vrai. Mais en regardant les prédications passées, hein, le bilan est amer. Maman Marie-Claude a dit, l'ingratitude. Sauf que t'allais bien dans le thème l'ingratitude, hein, c'est pas positif. Le bilan est amer, maman. Le bilan n'est pas bon. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a oint pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que je veux vous annoncer. C'est quoi l'hypocrisie? On revient. L'hypocrisie, le Bible est en français, hein, c'est le fait de dissimuler sa véritable personnalité, ses intentions ou son caractère réel pour se présenter sous un jour favorable. C'est le fait de dissimuler sa véritable personnalité. Sous un bon jour, comportement, non, ah oui, en avant dans l'église, je suis bien. Mais tant au copima, donc, ton vrai visage. L'hypocrisie. Papa Djanganabi, l'hypocrisie vous coûtera cher. Et nous n'avons pas compris le message de papa. Nous avons entendu le message, mais nous n'avons pas compris le message de papa. L'hypocrisie vous coûtera cher. Voilà l'hypocrisie, c'est quoi? Kola qui sa comportement na yo, y a ma bé derrière le dos de la personne qui est en face de toi. Au yen église, au lebina papa Charles, a. Nassima, le binaï, B. Ok, le binaïkouta, des faux témoignages. Exode 20. Nous portons des faux témoignages contre nos prochains. L'hypocrisie. Nous détruisons la vie des autres dans l'église, au sein même du temple de Dieu. Et même, des fois, nous attendons même pas d'être loin dedans. Ah, tout comme il faut changer ma loba yamoutou. Aloba qui nous coûte boy. Écoutez, ça va qui boy. L'hypocrisie. Au lieu de souk apéwana, toke moussika. Nous sommes des orgueilleux. L'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui avait entraîné la chute de Satan. L'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Il y a deux définitions de l'orgueil. Et je veux donner les deux définitions parce que c'est très important. Larousse, c'est Pessibiso, première définition, il y a orgueil. Donc, le dictionnaire français, Pessibiso, première définition de l'orgueil. L'orgueil,
C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur et une estime excessive de soi-même qui te pousse à te considérer supérieur aux autres. Manque d'humilité. Voilà la définition à Larousse. Mais tellement que c'est l'homme, hein, il a créé sa définition, lui. Non, mais l'orgueil aussi, ça peut être considéré comme de la fierté, hein. Tu es juste fier. Voilà notre erreur et bandiwana. Donc papa zote abiso orgueil. Nzamba zote abiso orgueil. Biso de lui, non. Moi je suis pas orgueilleux, je suis juste fier. Mais tu es orgueilleux. Mais la forme d'orgueil que toi tu as, c'est la pire d'entre tous. Et c'est la deuxième définition de l'orgueil. C'est l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel est considéré comme un obstacle majeur à la conversation et à l'établissement d'une relation avec Dieu. L'orgueil spirituel. Yoye binyos. Vandana papapa. C'est pas un souci d'être avec les papas, hein, d'avoir vu les papas. Moi, na bonzo to bena mo na bangote. Et beaucoup d'entre nous aussi, to mo na bangote. Mais où tient le lendo? Non, moi on ne peut rien m'apprendre. Moi on ne peut pas m'influencer. Lélo, lélo, papa, à le bisou. Si Dieu n'a pas réussi à vous influencer, combien de fois nous? Cette phrase aurait dû nous faire peur. Mais Tova dit orgueil, Nabisou Tolbi, non. Moi je sais tout. Moi je suis monsieur, madame, je sais tout. Totali. Pas le bien, hein? L'orgueil, c'est ce qui perd. Donc, Nanzame na aux relations et katanaka. Sur le coup, l'orgueil. L'orgueil spirituel, patatana ba maman. Donc tu te crois supérieur aux autres sur le plan spirituel, tout en cachant tes propres péchés. Mais pourtant tu es la première personne comme Kolé sur le père qui est. Pourquoi tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais la poutre qui est dans tes yeux, tu ne vois pas ça. Non seulement vous êtes orgueilleux, non seulement nous sommes orgueilleux, et en plus, nous sommes des hypocrites, et nous jugeons les autres, juste de ces trois commandements-là. Est-ce qu'on peut se dire que nous avons foi en Dieu? En l'an 3 sous l'ère de Papa Simon Guémon, il serait temps de se poser cette question. Avons-nous réellement foi en Dieu? Boutali. Mais, ma pessibiso, solution pour l'atotique orgueil, wana. Et la solution est simple. C'est de reconnaître que tu as péché. De reconnaître que non, nasumuki, nzambe nangai, limbisa. Et de se repentir. Ah ben oui, parce que l'orgueil, on se croit déjà converti, alors que nous ne le sommes pas. On pense qu'on est converti alors que nous ne le sommes pas. Le manque d'humilité. Au lieu d'apprendre, de lui, non, là, papa, là, qui s'est qu'il a déjà, on ne peut rien m'apprendre de nouveau. Bah, écoutez, il y a une ligne. L'orgueil. L'orgueil, papa le baga, qui vient ici avec un avion, un hélicoptère. Personne. Mon tout est bon à papa, c'est moi qui m'a. Mais nous sommes dans notre orgueil. Dans notre orgueil. Voilà, papa, c'est moi qui m'en ou. Tout à l'heure, tu commandes à Kakamoupe, comment on va appeler ça à Bissou. Le calme. Le calme, d'être calme. Une simple consigne que papa nous donne, d'être calme. Mais tu commandes à Tinsani, ou Enze Bandiawa. Ou Enze Bandiawa, ou Yateka. Kuna bien, oya loba kuna mabe, oya kima. Nous avons oublié que c'est pour cette raison-là que le Christ a betaki batoufi mbona temple à colonne de Tatanae. Alobi, non, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau-là. C'est le temple de Dieu, c'est le temple de mon Père. Lissoumou. Lissoumou. Nous avons péché contre Dieu. Et nous avons cru. Croire en lui, mais nous ne croyons pas en lui. Au lieu de commencer à apprendre, d'apprendre qui est Papa Simon Kimbaon,
papa Simon qui m'en a dit nani. Parce que il y a une chose que je dis, hein, l'hérédité. Moi aujourd'hui, papa Charles, si je viens à l'église en étant petit, c'est parce que mes parents m'ont montré que non, il faut venir à l'église, etc. Au début, quand j'étais petit, c'était pour satisfaire à mes parents. Et à un moment, je grandis. Mais, mes parents n'ont pas été, moi, je suis tata na bango. Nous sommes habitués peut-être à l'Ikamboya tata Nzambe. Donc, on dit qu'on est à l'église par habitude. Parce que, hein, non, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis réveillé sous un beau jour. Ah, bon. Aujourd'hui, hein, la tête de Papa Ndonga, excuse-moi, Papa Ndonga, me plaît, je vais aller à l'église. Aujourd'hui, ok, église. Ah, aujourd'hui, à la faki, Papa Kenny ne m'a pas trop énervé. Donc, ah, je vais aller. Balobia, wawa. Tant totali. Balobia. Éphésiens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce don, c'est un don de Dieu, la grâce. Dieu nous fait grâce de venir à l'église. Dieu nous donne cette grâce-là de venir à l'église. Mais yo, comme ici en gros, que non, c'est par ma force que je me suis levé pour venir en ce lieu, dans ce temple. Et en plus, tu viens avec orgueil, avec mépris de l'autre. Ce n'est pas que je l'invente. Hein? C'est l'analyse personnelle. Et ça, Makamo, le bagnabis, mon colonel, mon colonel. Tant maman Marie-Claude Aleki, maman Daniel Aleki, papa Aleki, et toute la génération qui sont passées, hein, le bilan était amer. Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui, hein, maman Marie-Claude Aleki, sont en gratitude? Moi, les deux albiens, tout ça n'a qu'on dit maté. Parce que nous avons vu nos parents sont le reflet de nous-mêmes. Aujourd'hui aussi, la génération qui vient, nous commençons. Avec mépris, n'a qu'on est répété. Parce que j'ai vu mes parents faire. Namoni batata nangai basali yango boye. Donc na kokende répétition té. L'hypocrisie. Ah ola kisi hein, elongi mususu. Ozoni na ndabu na yo, eloko nino la kisi pa na yo. Batata na ba maman. L'hypocrisie. Ya wana papa tiang na bien. Ça va nous coûter cher, mais toyo ka ki e bien té. L'hypocrisie. Mais là, hein, c'est un exemple que papa Simon King avait donné au Canada. Sokokei nandabu ya mutu. Au monique, non, kitioyo, ça peut coûter 6000 euros, donc une belle chaise. Et qu'au monique, banawana bazo sauté nan kola kit, au kolobaki, non. Ba parents n'aye ba pesa ki likambo valeur té. Ba pesa ki ango valeur té. Ya wana banawana bazo sauté, hein, nan likolo ya kit. Quelle valeur vous nous avez transmis? Quelle valeur vous nous avez laissé ici? Nous sommes en train de sacrifier toute une génération. Parce que l'hypocrisie, l'orgueil, et comme nous sommes dans l'abisso, notre génération, nous sommes devenus des hypocrites entre jeunes. Et je ne parlerai même pas des jeunes de trois ou non, je parle d'abord chez moi. Parce qu'avant d'aller enseigner les autres, parce que, encore une fois, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais pour vous faire part de mes convictions. Voilà. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Parce que hein, plus de 40 ans d'enseignement nous ont pas suffi. Je ne m'attends pas que, à la fin de ma prédication, parce que je suis papa Charles, que tout change. Non. Mais je demande à ce que nous tombons vers ce changement. Vers cette perfection que Dieu nous demande. Ben, papa Simon qui m'en. Tout comme imiter ma loco la pharaon, loco la Ramsès, on a endurci nos cœurs. Tout comme yo ka sousouté, imiter ma kangami.
mitema na biso ekangami. Liloba ya Nzambe tokoyoka kango lisusu te. Pourquoi le reflet? Moi je suis là, je suis le miroir. Quand vous me regardez comme ça, je suis votre reflet. Je suis votre reflet. Donc évidemment qu'un enfant qui est plus petit que moi, ma kambo ma bea comme on a eu ma parent n'aie pas ça, au biso to ko sala, il est pas assimilé en gros. Et il va faire de même, reproduire la même chose. Nous sommes habitués à l'ikambo ya Nzambe. Pas si nabiso e bandi wana. To komisi yango habitude. To bosani que c'est par la grâce. Non, il komi biso notre propre force. Bana papa si mo kimba. Éphésiens 2, 8. Mais ce qui va m'intriguer encore plus, Togoya, Tobadi Kosambe la Bana Mokili. Waouh! Tobadi Kosambe la Bana Mokili. Maintenant qu'on sait c'est quoi être hypocrite, être orgueilleux, ce qui coupe la relation avec Dieu. Et là, je n'ai pris que deux péchés hein, que papa, les papas nous enseignent chaque dimanche. To yawa, ba lobi na biso boye, na Jacques 4, verset 3, ou na zoaki. Vous demandez et vous ne recevez rien. Point d'interrogation. Vous demandez et vous ne recevez rien. Zamba touni biso. Bozo senga bozo sur le côté. Posez-vous la question. Pourquoi on demande et on ne reçoit rien? Si ce n'est que dans nos petites vies, où on a envie d'aller aux humains mokanda, aux humains voiture, tu roules dans une belle voiture, tu dis, ah, je suis bien. Tu te dis, je suis bien. Mon bossani, ta première mission, celui d'installer le règne du Saint-Esprit sur la terre. Au bossani en haut. Tant que tu sais, oui, dans nos vies, dans nos petites vies, Dieu agit, hein. Et encore, il le fait par grâce. Ah, c'est vrai que c'est pas ça, Lina. La paix, ça. Par pitié. Mais notre mission principale, hein, au bossani en haut. Au bossani, au bafouillé en haut. Quand nous venons demander ici, à Lujiki un jour j'ai dit, hein, nous demandons les prières de trois personnes. Nous passons notre temps à demander les prières de trois personnes. Pour Nanine qui les a changées. Dans nos petites vies, oui, ça change. Quelque chose, oui, Dieu a pitié de nous. Mais le monde, totalement qu'il a les lois, le monde est en feu et à sang. Le monde s'embrase. Le monde demande au Kimongis d'intervenir. Mais biso to bosani na biso. To lobi non. Nous sommes bien dans nos petites vies. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe, je ne sais où, ça ne nous regarde pas. Encore là, encore, oui, je peux comprendre. Mais quand ça se passe maintenant dans ton pays, à l'est, à Goma, au bosani, Polani Nzambe Atinda Kiolekao. Osa la ambassadeur ya Nzambe, yomu tolobia, que na mona ki Nzambe, na vandinaye, nous le payerons cher. Je préfère encore papa Moïse, ou azo yo kakaka mungongo, azo ndimela mungongo, papa Abraham, papa Noé. Mais si seulement, papa baza ba Nzambe, comme on le dit, nous finirons comme Jean-Baptiste, mais na bonzo tope na molimo. On nous tranchera la gorge par manque de foi. Nous avons trois prières ici. Prière des trois personnes. Ensuite, notre Père. Et quand je parle de trois prières, c'est trois grosses prières. Hein. Trois grosses prières où nous sommes tous à l'unisson, nous demandons pour le monde, etc. Prière des trois personnes. Notre Père qui est aux cieux, on est tous debout, parce que ce n'est pas que le prédicateur, non, on demande aussi dans nos âmes, et nous avons Mbiyame. Lorsque nous nous relevons à Mbiyame, Tosengaka Nini, la papa Simon Kimbao. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Mais, la prière de trois personnes, je vais passer. Quand j'ai entendu la prière de maman Adolo tout à l'heure, j'ai eu de la peine.
J'ai dit, waouh, c'est ce que nous demandons tout le temps. C'est le règne de Dieu que nous demandons tout le temps. Mais que nous ne voulons pas voir ce règne-là. Tout le bien, on a prière et à notre Père. Papa, le bagalabu, ce prière, Rwanda, pratiquement chaque dimanche. Au bout d'un moment, c'est rentré dans ma tête, je me suis dit, non, il y a un problème. Pourquoi papa nous parle de cette prière? Pourquoi les papas nous parlent de cette prière? Alors nous allons décortiquer cette prière ensemble. Parce que vous priez mal, vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs. Retenons bien cette phrase. Vous ne recevez rien? Eh bien, apprenez à prier. Apprenez d'abord à me demander. Ne demandez pas pour vos désirs qui sont qualifiés de mauvais. Apprenez à prier parce que vous demandez mal. De le bien. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et quand on parle de ce notre Père, on parle de papa qui se lequel est. À moins que tu ne crois pas, dans ce cas, ça c'est ton problème. Mais ce qu'on dit, Méli, que quand tu parles de notre Père, celui qui s'est montré à Abraham, à Moïse, à Noé, qui dirigeait le monde, qui dirige le monde d'une main de fer. Nous sommes des hypocrites. Notre Père qui est aux cieux, et nous allons le réciter limite comme une habitude, hein. Que ton nom soit sanctifié, jusqu'à là tout va bien. Jusqu'à là tout va bien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Là le problème commence. De quel règne on parle? Que ton règne vienne. De quel règne on parle? Parce que le règne de papa, c'est moi qui m'arrête. Et ça, non, Evadinabis. Mais nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas de ce règne-là. Parce que quand on prie, c'est bien. Mais il faut faire aussi des actes. Le règne de papa, c'est moi qui m'arrête consiste à ce que papa, c'est moi qui m'arrête avandanamokili. Que toutes les institutions soient à lui. Que à la place de Macron, on puisse voir papa, je sais pas, papa X ou papa Y. Qu'on puisse voir papa Christophe à cette place précise. Que à la place d'un certain ministre, on puisse voir un Kimanguis. Le règne de Dieu, c'est ça. Mais excusez-moi, voilà, papa, c'est moi qui m'en... Mais quand on vous ramène ce règne, on vous propose... Pour ne prendre que l'exemple de défi Congo, ça pose problème. Bim. Nous parlons de ce règne Eya, mais Dieu, dans sa bonté, on demande. Mais quand on demande, il faut aussi agir. Parce que ça ne va pas venir comme ça quand on reste croisé dans nos maisons, dans notre confort. Pas possible, nos défis Congo. Le Kimanguis devient l'ennemi de ce programme. Le Kimanguis devient l'ennemi de ce projet. Mais, tout le bien, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. L'hypocrisie. Et je rappelle la phrase de notre Dieu. L'hypocrisie va vous coûter cher. Voilà, à partir de ce moment-là, l'hypocrisie. À quel moment l'hypocrisie va nous coûter cher? À partir du moment où tu demandes quelque chose, mais tu n'y crois pas. Le bien, on a la définition. On prétend avoir des vertus, des croyances que l'on n'a pas. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente rien. C'est là, c'est nos comportements. Et nous continuons la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Excusez-moi. Vous pouvez peut-être croire que j'ai une certaine révolte parce que c'est l'analyse. Je me dis, waouh. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais est-ce que combien même nous savons comment se passe la volonté de Dieu au ciel? La volonté de Dieu au ciel, le bien, là-bas, angélique, pose à l'image n'angaï. Mande fouté. Maman qui t'emballe. Jeune, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça. Couton la thé. Ne porte pas de faux témoignages envers ton prochain. Ne juge point.
Mais tout seul bas, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hypocrisie. À la rigueur, ne réussis pas. Parce que si seulement nous continuons dans cette allure, Dieu va nous frapper. Dieu va nous frapper d'une main de fer. Parce que, dis-le bien, non seulement, au lieu de s'arrêter à dire que le Saint-Esprit est venu te bénir, non, Dieu le Père peut aller, Dieu le Fils peut aller. Les trois dieux sont descendus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ma foi me dit que c'est vrai. Mais vous, votre foi, est-ce que vous y croyez vraiment? Parce que ceux qui réellement te disent Malaki Batata, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ceux qui te disent Malaki Batata, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mungongo Nzambe Lobinabine Pandinabino. Mungongo Nzambe Teibino. Et Teibiso. Oh, Nazali Goloba. Nazali Ponabat Bakenda. Nazali Oyobaboya. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Papa Djangada Gontima. Allez tout de suite, prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que pain est un mot de gagner ta baguette? Ou de son barana boulangerie assez? On parle du pain de la spiritualité. Nous parlons là du message de Dieu. Evan Anakatiamite Manabiso. Mais là où encore le scandale, je trouve, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je ne sais pas, c'est clair. Limbisa biso, nenge biso to limbisa rapé, oh basali biso mabé, mais na katia ba koral, oh komona, batumi balé ba solo la katé. Batumi balana balobi père, tout kangani binimi jusqu'à la fin de notre vie. Mais mon père Wazo Senga, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hypocrisie. Hypocrisie. Balobi à moi, on prétend avoir des vertus, des croyances que l'on n'a pas. Hypocrisie. Pardonne-nous nos offenses. Que je pardonne à Papa Léon. Qu'il pardonne, pardon à Papa Léon, comme moi je le pardonne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, au moins, on a de quoi ça, nous, quand il y a eu comme qui est. Et surtout, les faux témoignages ici, c'est. On y va. On n'est vraiment pas gentil. Les faux témoignages. La jeunesse, ça c'est un conseil. Un jour, je parlais avec une IA à moi et je lui ai dit moi, maintenant, j'agirai comme ça. Ceux qui n'ont eu que. Ah, papa Charles, D'accord. Allons voir la personne qui a dit ça pour lui. Allons voir la personne qui a dit ça. Allons régler ça dans la paix. Mais si tu me dis oh non! Je ne peux pas aller voir cette personne. C'est qu'il y a un problème avec toi qui est venu m'annoncer ça. Parce que si seulement si tu venais pour m'annoncer ça dans un cœur pur, ça c'est un message pour la jeunesse. Parce qu'entre nous, on remarque aussi de l'hypocrisie. Cette dernière braise de l'Église qui manguiste, s'inflige les péchés de nos aïeux. N'ayez pas oublié la psaume 79. Psaume 79, David a l'obéi dans Zambien. Ayon a biso basala qui dit soumouana. Biso petozo sala yango. Zambé limbisa. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est dans notre ADN. Mais il est temps d'arrêter cette hémorragie interne. Il est temps de stopper cette hémorragie. Tolanda maloba papa. Tout pas dit ça, mon ami Théma. Voilà, papa, c'est moi qui m'en. Tout à l'imoki. Mon qui les osé, la vie soit à l'aide. Le monde demande au secours au kimanguiste. Mais le kimanguiste reste insensible face à la demande de son, du peuple de Dieu. Je suis un élu. Mais au décider, au vanda kimia. Parce que dans ta vie,
Papa Charlie roule dans sa voiture. Il a son confort. Ça le suffit. Mais nous qui les rebelles, nous salarons, papa Pesa Kingai, la ligne Koyo Kayangote. Ou du moins, je pense le faire en passant demain devant, en priant, mais avec hypocrisie. Parce que de ce règne, il y a Zameya, mais que nous ne voulons pas de ce règne-là. La baisse de l'exemple est à Pamba. Le règne de Dieu, des figures. C'est un exemple simple. Mais Tobouya Yango, au lieu qu'à Tobouya, non, on devient des ennemis. Nous décidons de combattre. Parce que ça aussi, il faut en parler. Pourquoi nous voyons la Lingomba, papa Simon Kimong, pour la combattre Nzambe. Nzambe, tu le but au Vandis, tu Vandinaï, tu Mouni, tu commis qu'au combattre. Nous sommes tenus à cause. Par exemple, il y a Bané Israël. Bané Israël, hein. Et Béli Bakota quitté. Continuons à prendre cet exemple, hein. Parce que c'est ce que nous savons faire. Tu te rappelles, Bané Israël, Bané Bango, tu Zouaka. Mais Bakota quitté. Même Moïse, celui qui a servi Dieu. Akota quitté. Pourquoi? Il a mal interprété, hein, la façon de voir de Dieu. Interprété Nzambe Mabe. Nzambe a pécié Tumbu. Il n'y a pas longtemps, le 6 avril à Kamba, en préparant ma prédication, papa Simon qui manquait à Manimokota Boulé, à l'Obi, pour que ça m'aide Zemo. Nzambe Wa, c'est tout sympa. Cette chanson, c'est vrai, nous l'écoutons aussi ici des fois. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, dans cette chanson, qu'est-ce qu'on demande réellement à Dieu? Dans cette chanson, qu'est-ce qu'on demande réellement à Dieu? Mais avant d'aller plus loin, je voudrais demander à maman Danielle si elle pouvait me donner d'abord une petite chanson qu'on aime bien. Tous les dimanches, on le chante, mais qu'on ne comprend pas. Miami. Tous les dimanches, tout est Kakamo, mais on ne comprend pas. Tout décortiquer en ensemble, tout comprendre, hein, qu'est-ce que ça veut dire, Miami. Dieu le Père, dans le ciel, gloire à toi. Et quand nous le chantons, chantons-le avec amour, avec conviction. Ne le jetons pas comme ça. Peut-être c'est parce que c'est la fanfare qui joue cette chanson, on ne comprend pas. Mes péchés, fais-les disparaître. Mes mauvaises actions, enlève-les. Tous les dimanches, mais notre hypocrisie est tellement dans l'excès. Que tu sois bon, ça comme tu es, tu sois un Nzambe. Seigneur Jésus dans les cieux, gloire à toi. Mes mauvaises actions, enlève-les. Voilà la signification de cette chanson. Surtout pour nous, la jeunesse, qui ne comprenons pas ce que nous chantons. Voilà la signification de cette chanson. Mes mauvaises actions. Mais ces mauvaises actions, mais pourquoi? Est-ce que c'est Dieu le problème ou c'est nous? Et si on arrive à un niveau à se dire que c'est Dieu le problème, posons-nous là des réelles questions. Merci beaucoup. Chantons avec amour. Tout à l'heure, quand nous allons mettre la chanson, repensez à ce que je viens de dire. Pourquoi cette chanson résonne chaque dimanche?
pourquoi cette chanson résonne chaque dimanche. Toyo Kakango. Mais Toyo Kakango, na lito inini, ya molimo, to ya bonzoto. Ou nous le chantons parce que nous avons envie de chanter pour notre plaisir personnel. Tout ce que nous faisons dans l'église, ça a une valeur spirituelle, une portée spirituelle dans nos vies. Parce que nous avons la souka, Tokotunama. Tokotunama. Zambé a Kotuna Biswa. La mission que je t'avais donnée, qu'en as-tu fait? La mission que. Je vais répondre quoi à Dieu? Oui, mais papa, tu m'avais donné la voiture, tu m'avais donné l'argent. Mais Dieu va te répondre, mais non! La mission de répondre, mon règne sur la terre, qu'en as-tu fait? Rien. Mais nous allons le demander dans la chanson. Zambiwa, c'est tout ça, Mbanga. Tozo Senga Yango. Tozo Senga Nzemboana. Tozo Senga Nzemboana. Tozo Senga Nzemboana. A qui tu sa règne, Naïe? Alors que son règne n'est même pas sur nous. Son règne n'est même pas sur nous. Pour aller un peu vite, je vais redemander à maman Daniel de venir nous donner cette chanson. Parce que je suis encore à chaque 4 verset 3. Avec conviction. Parce que Batata n'a pas dit que c'est nous qui ne connaissons pas. Oh Dieu, viens s'approcher de nous maintenant que nous t'adressons cette prière. Comment nous prions? Comment nous prions Dieu? Manifeste ta puissance à ce que le monde continue à distraire pour qu'il revienne à toi. S'approcher de nous maintenant que nous t'adressons cette prière. Chantons cette chanson avec une vivacité, Batata ma maman. N'ayons pas peur de demander à Dieu pour une bonne, pour une foi avec sincérité. Pour une foi avec sincérité. Que ton bimanesiko pambate. Parce que la promesse de Dieu, c'est sur nous que ça va se réaliser, avec ou sans nous. Avec ou sans nous, le règne de Dieu va s'installer. Voilà qu'ils sont confondus, ceux qui croient détenir le savoir humain et disent que Dieu n'existe pas. Pendant qu'ils cherchent à avoir raison, voilà qu'ils sont confondus. Lui manifeste ta puissance à tous pour qu'ils reviennent à toi. Mais nous-mêmes, Tozongela Nzambe. Avant d'aller prêcher le monde, prêchons-nous d'abord nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller prêcher le monde si nous-mêmes, nous n'avons pas été influencés par Dieu. Nous devons être des influenceurs, jeunes kimbanguistes. Nous devons aller dans le monde, proclamer la bonne nouvelle, leur dire que Dieu existe, Dieu est avec nous. Mais nos comportements ne nous donnent pas raison. Nos comportements ne nous donnent pas raison. Est-ce que nous savons ce que nous disons? Est-ce que nous y croyons? Dieu, Papa Simon Kimbaro, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, celui qui est, Papa, qui se lequel et qui dira à Moïse, hein. Quand Moïse lui dit,
qu'est-ce que je vais aller dire au peuple? Dis-leur que celui qui est a dit. Mais nous, celui qui est. 1, 2. Celui qui est. Allô bien. Je suis qui sur lequel est lequel. Je suis Dialunga Nakiangani. Je suis Djangenda Kuntima. Mais autrefois, le binabato, hein, je suis celui qui est. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites, Batata Maman. Ça va nous coûter très cher. Et nous le payerons le prix fort. Parce que Dieu, va le bien haut, il punit jusqu'à la quatrième génération. Nous y compris, nous y passerons. Tant papa le boulot, matin gomba, prends ton courage à demain. Agis. Le commandement, ne brise pas le commandement. Ne brise pas le commandement. Parce que papa Moïse, un seul commandement qu'il avait brisé, nous avons apprécié tout. Adam et Ève, pareil. Nous qui manguissons combien de commandements nous avons brisés. Merci beaucoup, mon Daniel. Combien de commandements nous qui manguissons nous avons brisés. C'est vrai. Tout ce qu'il a vu, ça n'a pas. C'est pour cela la question m'est venue en tête. Combien de temps nous reste-t-il? Bisous la jeunesse, ton papa se posait question, Anna. Nous pensons que tous les bangas, que ton coco est à thé. Et c'est là où notre erreur commence. Parce qu'un jour tu peux te réveiller et Dieu décide autrement pour toi. Et là, je vais prendre quelques minutes pour la jeunesse, pour qu'on comprenne hein, que avec le monde d'aujourd'hui, avec le monde qui nous attend dehors, nous pouvons nous aussi hein, quitter ce monde demain. Mardi, ce n'est pas pour le plaisir, mais je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire personnelle qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. Bana papa, c'est moi qui m'en. C'est vrai, j'étais bien dans ma vie. J'avais tout ce que je voulais, mes parents, mes frères et sœurs, l'église, j'avais tout ce que je voulais. Mais un jour, du 30 janvier de l'an 2, papa Simon Guimard en a décidé autrement pour moi. Il a dit non, il est temps que je t'enseigne, que je t'apprenne, que cette vie-là est éphémère. Mes frères de la fac, ils connaissent très bien cette histoire, et certains d'entre vous aussi. Le 30 janvier de l'an 2, je me suis dirigé vers l'hôpital. Moi, croyant que j'allais retourner chez mes parents tranquillement. Arrivé là-bas, moi l'hôpital, j'appelle ça le cercueil à ciel ouvert. J'appelle ça le cercueil à ciel ouvert. Mais arrivé dans ces lieux de l'hôpital, le médecin décidera de mon sort. Disons, monsieur Battu, vous allez rester ici. Pourquoi? Parce qu'on a détecté en vous hein, un poumon qui est littéralement mort. Si vous rentrez chez vous, votre pronostic vital est en jeu. Donc si vous rentrez chez vous, vous n'allez pas passer la semaine. Moi, je suis jeune comme ça. Moi qui courais il y a quelques jours. Aujourd'hui, on me dit que non, tu dois rester ici. À l'idée. Et c'est là où la foi prend tout son sens. Parce que papa azate, maman azate, bandeko bazate, yo nan zambé na yo. Cet homme en blouse blanche, a baissé ma recommandation, mais non, je resterai ici. Bandeko afaki, bandeko talaman hôpital. Je leur disais, profitez tant que vous pouvez encore servir papa Simon Kimbaou. Parce que bota langan de konabino, on est si koyo, je ne peux plus bouger. Zambé, on l'a décidé autrement pour moi. Pourtant, le 30 janvier, je comptais rentrer chez moi, faire mes trucs.
Mais Dieu en a décidé autrement pour ma personne. La foi. Je restais à l'hôpital seul entre moi et mon Dieu. Dans ma tête, j'attendais juste ma mort. Dans ma tête, je me suis dit, bon, je suis prêt. Mais je commençais à avoir des inquiétudes. Je me disais, ah, Zabé, bon, encore l'unité de l'église, bon. Mais Verneuil, non, moi, ni Verneuil, après tout ce qu'on a fait, j'ai pas vu Verneuil. Je pensais même plus à mes parents, à mes parents. Non, je pensais à ma relation avec Dieu. Ah, papa, c'est moi qui m'en parle. Avec la salle de la table, mouille-toi. Avec la salle de la table, une dernière fois. Avec le bête de la musique. Mais Zaba, le binon, je reste ici. Cercueil à ciel ouvert. Ozomona! Mais tu ne peux plus bouger. Ozomona. Mais tu ne peux plus bouger. Mais tu peux encore demander pardon parce que mon Ogozoloba. Il y en a d'autres aussi. Barasu, c'était pas un coma. Moi encore, ça va. Je pouvais voir. Mais ça va le binamaï. Tu vas encore rendre ma visite. C'est mon frère, généralement, qui était la dernière personne à partir de la chambre quand les visites se terminaient. Ta maman, elle n'a pas une répète de la vie. C'est pas pour mes intérêts personnels. Quand mon frère quittait la chambre, il aimait bien fermer la lumière et me dire, bon, moi j'y vais. Tu restes seul. Et c'est là où tu te remets en question. Ozobel El Anzambe, Nini, et dans quel but et dans quelle conviction? Moi encore, j'ai eu de la chance, je suis là devant vous. Mais combien sont partis dans le cercueil à ciel fermé? Maintenant, il est temps de répondre de vos actes. Il est temps de répondre de ce que je vous avais demandé. À ce moment précis, jeune qui mangiste, tous a libérate. Lobby, okokende. Talamou qui n'est pas jeune bazokoufa. Barix y a quartier. Tu peux te prendre un mauvais coup au mauvais moment, là où tu ne devais pas être. Tobana. N'ayons pas peur de la mort. Attention, parce que la mort est une libération. N'ayons pas peur de la mort. Parce que Satan, il sait que tu as peur de la mort. Et que Nzotoyo, c'est là où il va tuer. Mais ayons peur de là où tu iras quand tu vas rendre des comptes. Place Nino Kokendele. C'est vrai. Mais, Papa Simo qui m'a envoyé dans Moukili pour nous affranchir. Il nous a fait des promesses qu'il compte réaliser avec ou sans nous. Papa Simo qui m'a nous a fait des promesses. Mais comme nous entendons souvent, mais nous n'écoutons pas Dieu, moi, la Faki, généralement, tous les dimanches, nous jouons une chanson. Tata Kimbaou. Dans ma méditation, je me suis dit, Tata Kimbaou, quel message les papas veulent nous faire passer derrière cette chanson? Et j'ai réalisé que non. C'était les promesses, c'est les promesses de Dieu, mais que nous ne voyons pas. Nous qui avons été le peuple qui avait été choisi pour demander pardon de Adam et Ève. Papa le bien-aimé, le monde est Zozika. Mais, comme j'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et dans ma prédication, même si c'est très négatif, il y a quand même la bonne nouvelle. Il y a quand même la bonne nouvelle dedans. Parce que dans ma souffrance à l'hôpital, quand je souffrais, mon réconfort, c'était Papa Simon qui parle. Au point où c'est lui-même qui est venu me faire sortir de là.
à travers ses enfants. Kondima. Pourtant, je peux dire que voilà, pour ne parler que, par exemple, de Papa Satya, on est amis, on marche ensemble, on fait tout ensemble. Mais quand mon corps allait lâcher, Kondima Nanga et Babakinini, est-ce que la talaki est de Longinini, la talaki papa de Longinini, la Babakinini Natina Naye, quand il est venu me voir à l'hôpital pour prier pour moi, la bonne nouvelle. C'est pour ça que je te demanderai à moi, Daniel, la dernière chanson de Tata qui est dans plein d'oscillis. Tata, qui tata, un, tata, qui Papa Simon Dimang, qu'as-tu fait de mal pour qu'on te haïsse? Notre survie dépend de lui. Et c'est la suite de la chanson qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, la vérité est mon ami. L'homme noir. La chanson qui parle, qui envoie un message. Mais comme c'est la fanfare qui joue, nous ne considérons pas le message derrière. Aujourd'hui, l'homme noir, Papa Simon Kimbang, il a tenu sa promesse, nous affranchir. Mais nous, nous voulons rester esclaves. Moi, jeune Kimbangui, je dis non. L'homme noir. Papa Simon Kimbang a déjà donné ça. Les promesses, il avait déjà donné. La dignité de l'homme noir, il a déjà donné. Il a tout donné. Déjà. La dignité, la gloire de l'homme noir, il a déjà donné. Il a déjà donné. Mais pourquoi nous ne voyons pas ses promesses se réaliser? Montez un peu plus, s'il vous plaît. Mais par contre, pour avoir toutes ces promesses, bon, tout ça y est, les commandements, on a l'objet du début. Mais pour avoir cette promesse de Dieu, il faut Toto Saïe, Tokumi Saïe, Tosanjo Laïe. Posons-nous la question, pourquoi nous ne voyons pas cette prophétie, ces promesses? Il est déjà donné batata à ma maman. C'est devant nos pieds. Les alines à ma colonne la biso. Mais biso m'tobo irène yango et van. J'avais dit, je suis venu. L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle-là.
Kimba voici Kokopesa Yango. Pola Tomona Yango. Repentons-nous la repentance comme Bakomi on a Luc 24, 47. Ce que ça dit repentance, t'es. Toute cette promesse qu'on vient de chanter, vous n'allez pas le voir. Donc, moi, mais en côté, mais Ekozala la Mukili, ça va s'installer avec ou sans nous. Dieu annonce toujours les bonnes nouvelles à son peuple. Nous sommes le peuple élu. Remettons-nous en question. Ne soyons pas des orgueilleux. Repentons-nous. Ne pensez pas que nous sommes déjà convertis. Laissez-nous. Laissez le papa faire en sorte que va convertir Bissoba comme ça, Bissoba Ndimi. Bon, il était aux Olympiques, on a pu se nommer Bolé Asuka. Tous ceux qui s'y veulent combattre à ta paix, on est béni, mon sainte. Amen. Toté la matou bondala. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais plutôt délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mokini mwangai yawe, mokini mwangai yawe, mokini mwangai mwangai Mokini mwangai yawe, mokini mwangai boni mosantu obeni, najani koya noki, mwangai boni. Kemboyo ezali mawa bandi minanga nayoki motema mawa pingi katina bino bakozanga kemboyo Ejali mawa Gai na lingi tete moko na bino atikala Bino mopalanga nise na misala mabe ya satana Ejali mawa Na kozonga simate kino bilaka biko kana Tango molai natale libino bobo ngwana Bolingite moko mibale bakoto sana kosepela na bango Nakozonga simate kino milaka bikokana Tango molai natale libino bobo ngwana Molingite moko mibale bakoto sa na kosepela na bango bandi minanga na yoki motema mawa mingi kati na bino Bako zanga kemboyo
ezali mawa banzi mi banga na yo ki mote mama wa mingi katina bino ba konzanga kembo yo ezali mawa. Kimbangista oye. Oye. Kimbangista oye. Oye. Kimbangista oye. 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 Espoir du monde, Église universelle. Na kombo ya tata, mwana tata oli mosantu. Nous ne le dirons jamais assez. Parce que quand une réalité, elle est là, elle est évidente, il nous appartient, Bissot, en tant que Banabo Passimo Kimbangu, d'aller dans le sens où nous sommes appelés à Kukendere, parce que Tobiti Koyoka, prédication et Salemi. Nous, nous sommes des missionnaires, nous sommes. Thank you.
Thank you.
Kimbongistoye. 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 Papa Kolo Tuoye, Papa Fumambanza Oye, Papa Mfumalongo Oye, Mama Bibi Oye, Mama Bibi Oye, Mama Bibi Oye. Na kumba tata pia mwana pia mwalimu santu ya liboso na kumba ya bandi kuna ngami osotu kubanda ya Suzana tina liki na ngamba masonoshu toto ndibino na bote sengwa pesibiso na mkulu alelo ya le 21 avril de l'an 3 de l'ère de Papa Simon Kimbangu oyo toyo kili loba ya Papa Simon Kimbangu a travers son roi Papa Charles Oya teibiso kitoko le mot serait faible. Il faut na kende kuduka na la rousse pour na qualifier prédication. Oyo tozui lelo. Ya solo bana papa Simon Kimbangu na emotion ti mama bimaki ti ngai pe na profiter na lundi nous avons été émus par sa prédication. De voir cette jeunesse Oyongaï personnellement a talisina que papa osa mundimité la remise en question après une telle prédication il fallait même que tout silici nabisso parce que moi quand la prédication est élevée et ça la kaka tout kata tout zonga na banda kuto kende ko méditer atei biso ninge toza ko lobango lelo na ndenge ya ki lelo Ateibiso sans filtre. Ndenge na kolobaka na bino, Nzambe namona kete na ndoto na vision to na nini non. Dieu me parle à travers vous. À travers le monde dans lequel on vit. Pambate, hein? Papa Simon Kimbangu tu appelles ça que biso nyonso. Tina banze mbobana papa Simon Kimbangu. Yangwana lobaka soit le kambo yo izalaka le kambo ya lokuta. Ce fumwa longo penza za Nzambe. Ludiki ki lobana papa Simon Kimbangu. Ekozala na biso pasi. Donc ngaiti papa Charles azote azoloba naza komiyo ke la mawa. J'ai eu pitié de moi-même. Ya soloba na papa Simon Kimbangu to banga Nzambe. En même temps, ça donne de l'espoir. Pambate, c'est un jeune qui n'a pas connu les papas.
mena bolingo na ye ndenge ye mokatalisi biso ce don de Dieu qui est la foi. Oyo nakolobaka na bino que Satan objectif n'ezalaka kaka moko aboma yo na ngai eloko wana. La foi. Mais papa Charles atalisi biso atindi biso to mitona soki tozalaka nango kaka. Moutouna moutou, ametouna, si nous avons encore la foi. Si nous avons toujours cette crainte de Diangenda Kuntima. Oyo papa Fumambanza la kakibiso. Que mon limo santo akozala na bino le bela. Yonangai tokoleka. Bana papa simoke mbango, nous allons passer. Mais le kam na bango eko salema. Yo soki ozali frane na likambo ya papa simoke mbango. C'est toi qui va le payer. L'hypocrisie dont nous faisons preuve dans l'œuvre du Saint-Esprit. Oyo tozali, hein? Des injustes aux yeux de Dieu. Nous sommes des blasphémateurs, nous sommes des menteurs. Des hypocrites, n'est-ce pas, papa Charles Atalisibiso? C'est notre enfant. Bana na biso bazali reflet na biso. Bana na biso bazali image na biso. Tope sa bana na biso image ya kibunzambe bana papa simukimba. Notre pain quotidien, yango papa Charles Apesi Biso. Il a été le boulanger. Il a été cette boulangerie dans laquelle toi et moi, aujourd'hui, nous sommes allés nous en... Comment ? Chercher. J'ai mis sur ma variété, nous sommes sur le gâteau. Yo kaka. Donc ce que vous faites là, c'est yo. Quand vous avez mis sur nous. Pain quotidien, il y a un peu de temps qui dit. Le 16, pour ce pain quotidien. Attends, ici, puisque les gens ont été. Dieu nous donne à chaque fois cette occasion. Pour la relation, la bisonaïe, n'est pas attendu si bisonaïe. Que tant que balobi na ye kazoti kala na hôpital, atali tata na mama na ye te bandeko na ye te, atali relation na ye na nzambe, atana likamo moko na sale la kiyo. Yo na ngai pe bana pasi mokimba, tuta la relation na biso na nzambe. Tomiyo ke la mawa. Ludi kikilo moi. Donc, Namitouni, est-ce que je suis ce fils que mon père aurait voulu que je sois?
Combien de temps me reste-t-il pour que je puisse le convaincre que je suis son fils? Voilà ce qu'a souci l'année Kozalaka. Je ne reste pas dans mon zone de confort. Que na kotiawa, ma pied gauche, ma protocole, bino bandimi, papa, papa, papa. Zone de confort. Que na kosana. Na image ezako. Tambatendenge papa, Charles Atalisi biso notre hypocrisie. Et que moi aussi je me. Voilà. Je reste dans ce confort, ce côté agréable. Na souka na ngwe kolianga. Et relation na ngai na nzambe eza na esika nini. Ndenge na lobaki dimanche. Sainteté wana ti bapesi yongo yo na ngai. Mbiya menzamba sali yonga na. Donc chaque dimanche que nous venons ici, nzamba zolongola yo na ngai mabe na biso. Azo nettoyer biso na karcher. Mais kaka na kati ya salle de bain ozo bima na mai o mi baby si na yo lisusu pamba te oza kaka na mutema wana ya mabe. Yango na kobanda na ngai moka na mimoni ke non, je n'ai pas la foi. Yango na souci na ngai, combien de temps me reste-t-il pour convaincre mon père? Et moi, je suis là. Ce qui est là, c'est souci de convaincre Bino. Dès que je suis là, pour ne parler que de ça. L'an 3, je n'allais pas vous en parler. De peur que bon monde ait un délire. Mais comme ce n'est pas vous que je veux convaincre, mais c'est mon père, d'où je vous dis les choses. On a le banabino que bisopeto lukaganzela likolo. Et je cherche par tous les moyens pour na Nathalie Satata Nangaye. Voilà. Voilà, bana papa, c'est pour Kimpa. To koma na niveau ya matei, to zalaka kate que ah non papa, non. To koma na niveau papa Charles la commission na ngai. To koma ni na niveau ya matei to za kozwa na esiko. Voilà bana papa Simon Kimbao. Nous avons la continuité, il y a fête, il y a maman Bibi. On a le bagage na bino le 16, que tu as tika qui biso, na sepe la qui pona yé. La bonzoto, oui, ça fait mal, c'est ta maman. Mais si je regarde son bonheur, elle est allée retrouver son mari, son homme, son Dieu. Voilà, voilà, papa, c'est mon Kimba. La foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'où je ne peux pas chercher à vous convaincre. Seul lui peut vous faire cette grâce. Pour être bon, on a que les Kamboyo. Il y a l'an 3, par exemple. Oui. Ce n'est que dans la suite logique.
Surtout natango ye moko diangenda kunti malobia. Oui, le londe e bandeli ambula. Voilà bana papa simukemba. Depuis 1986, mto obengi nzamba lobia ngo. Ce qui est une extrapolation. Ah non, papa, il faut maman dans le bac qui est une école et il faut que je me dise. Ah, papa, lobby. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis une école. Mon hypocrisie. Je veux dire que je suis dans les années 80. Mon a préféré. Jouer au sourd. Tout ça n'est pas toujours quitté. Pendant que Banzim vous a là, déjà ils ont tel service au qui se loquait l'insambe. Donc voilà, ben on peut passer mon guimbau. Tout s'est levé. Tokokoza la leso soute que batumoko na likambo ya papa Simon Kimbangu ndenge na lobaki lobby. Soki ba mouvement na bine koza kokufa. Soki lingombe za kokufa. C'est simplement parce que nous ne sommes plus des Kimbangistes. Nous avons perdu cette foi qui nous animait à être des Kimbangistes. Voilà, ben on peut passer mon gimbal. Lingombo est kokufati. Yo nangande mututo kokufa. Yo nangande mututo koleka. Lolendo nabiso te muteko boma lingombo yo. Lolendo na bino te moteko boma ba groupe na bino. Ndenge naza koloba na bino, ayez cette capacité là de chercher la renommée de papa Simon Kimbangu et non la gloire d'un individu. Voilà, bana papa Simon Kimbangu, la renommée de cette église. Toto sae kakamobe kona ye siko elobi nini. Elobi foiza la boy. Yolanda. Parce que ta mort peut être physique et spirituelle. N'ayons pas cet orgueil. L'interprétation. Et ça, là, que papa Moïse a contacté. Parce que Yonangaïa, tout qu'on interprète, comment ça, mais ça compliqué. Donc, ce qui est mon interprétation, n'a eu, ça n'a pas eu de côté, n'a mis de côté, n'a mis salaté. C'est qu'interprétation n'a eu à ma bébé, c'est tout. Voilà, ben on va passer mon bon. Jeunesse n'a bisoto bomayango, et surtout biso n'a koré qui dirigeant, fa qui flu qui jeté qui bas pied gauche. Surtout vous qui prétendez avoir connu nos pères. Lou di Kikilou. Mili moyabano tozako bebi sa ikotanga manamitu na biso. Ba responsabilité de Jobozana moi en tant que Bakimbangisto boye Bakiba papa.
banana biso moko. Souci na biso kozalaka. Qu'est-ce que nous pouvons transmettre à nos enfants? Les lobbies sont ma parente au Kabouani. Souci n'a pas été que papa Satya, papa Armel, papa Ken, baye ma valeur, yali Kamboyo. Baye ma valeur, y a maman Christine, y a papa Simon qui a un ami. La renommée. Voilà, bah, la papa Simon qui me parle. Cette jeunesse. Attends, Sony, peut-être que l'été, il s'est touché parce que moi, je suis moqué. Maman Marie-Claude, ingratitude. Donc, nous sommes des ingrats, des hypocrites, des malhonnêtes. Nous sommes faux. Papa Charles Attal, ici, il y a une contradiction dans le Kamanzambe. Pardonne-nous nos offenses. Surtout ça, c'est fort. Hypocrisie. Pourtant, ti bagoyaka kosukola biso na mbiya, mais c'est pour que nous soyons légers. C'est pour que cette légèreté-là puisse faire que nous puissions faire de grandes choses. Mais tout le monde a besoin de cause à la kilo. Oui, il y a un péché que na est. Les lobanayo échangé ma kambo. Voilà, chaque dimanche, na trois koutouba longo lango. C'est spirituel. Ce n'est pas pour rien, Balongo Lango. Il y a un peu de qu'ils sont capables de balapider Moutou. La Katian Kamba. Voilà, Bana Papa Simon Kimbao. Batali renommée à Lingombate, mais batali gloire à Moutou. Parce qu'il y a un minimum. Voilà, voilà, papa Simon Kimbango. Les conséquences. Mais yo nanga na esiko yo mona 26 biyame. Malgré la, nous sommes restés dans l'orthodoxie. Cette institution est restée kimbangiste selon Diangenda Kuntima. D'où il nous a fait cette grâce. Que banana biso, bazo teyama. En dépit de nous les parents, nos enfants sont en train de nous enseigner. Vos enfants vous enseignent. Voilà, sans filtre. Batalisi biso. Il y a un peu de temps. Les jeunes, l'espoir de l'Église. L'Église, espoir du monde. Dieu est bon. Il y a des gens qui ont un souci.
combien de temps te reste-t-il pour convaincre Papa Simon Kimbangu que oui, tu mérites Yakozong à la place Nayo. Lingna Lobaki, maman Fumalong le 16 à Tikibiso. J'étais content pour elle. Les locaux à souci n'ont pas beaucoup que lobby que je rentre près de mes parents. Bayambangai. Tambate koko fanangai kozalambo tama nanga kuna. Voilà pas notre passé Mokimbangu. La mort n'est pas une fin en soi. Mais moi, je pense l'année passée, il y a que ah marteau vraiment maman. Tout ça dans Zoto. Notre mère, plus de 20 ans. Comme il n'y a plus de Karcher, Mbiya me ba nettoie kabango le sauté. Tokoko kendete, même en tant que Nakibumoto. Je ne peux pas aller m'incliner devant le corps de ma mère. T'as le niveau. Bango pe baza na niveau ya matei na bango bazwaka kuna. Voilà, bana papa Simon Kimbangu. Dengue papa manko lobaka. Nzamba talisi biso que likala ya moto wa ne zepa ina. Donc l'église, c'est toi. Mais as-tu encore la foi? Bana papa Simon Kimbangu. Nyo se kangami wana. N'es-tu pas dans cette contradiction flagrante? Papa Charles a talisi bisoko. Voilà, voilà, papa Simon Kimbangu. Nzoto, maman Bibi, que oui. Mais je me suis consolé comment? J'habitais. C'est vrai. Bazana mama. Mais mama zana bangote. Voilà. Bazana nkamba. Mais nkambe zana bangote. Lingombe komi boipa mate toza li susu bakimbangiste te. Bino mutubozo te amatana mukeo tozo pesa bino. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes justes. Tout à l'heure. Et mon papa Charles a talé si puissant. Abraham, ce n'est pas qu'il était parfait. Mais il était juste aux yeux de Dieu. Noé était juste aux yeux de Dieu. C'est ça que là. Voilà, voilà, papa, c'est mon moment. Nous, on n'est pas parfait. Mais moi qui m'en dis, tant que tu salis ma bête, tu saignes pour l'imbécile. Pourquoi? Parce que nous sommes justes. Voilà, voilà, papa, c'est mon moment. Donc, ton métier est à niveau de ma théorie. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps pour que je sache que vraiment, tu es un peu plus de temps à moi. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Il faut que je sache.
Ce qui est Satya, Armel, je vais me rappeler que papa, mais votre père voulait les choses comme ça. Comment toi tu fais comme ça? Il y a un minimum. Voilà, ben, papa, c'est mon guimbar. Bouluka renommé à Bakoral Nabino. Dirigeant, Kouluka Gloire, il y a papa, Christian T, mais renommé. Bobo Maba Group Nabino, t'es beaucoup bon Mabanda Kounabino. Oiza Lingomba Yamolimo Santo. Tozong abandi mina bango. Tomi pese pa ina bango. To sepeli sapoli mo santo. To okani ya? Kimbangi stoye. Kimbangi stoye. Kimbangi stoye. Excès de table thé, mais la chatte. Mais le 27 avril au thé, mais on va pas abuser. Kimbangisto hier. Je blague, hein? Bobang en abinoté, papa pénin. Non, je blague. Mais, et ça pour n'a qu'au ça sa responsabilité. Donc merci papa Charles, on a très bien mangé. Et c'est vrai, c'est le fait qu'au côté sans doute, on a pas nos côtes sans doute, ils ont moins passé. Mais tu as fait pleurer maman, tu m'as fait verser des larmes. Bajenoyé. Bajenoyé. Oyez, espoir de l'église. Tomi yokena mama, tu okani ya? Ton sale nabiso papa si moke mba wa nzambe. Azanzambe. Mokile mwa biso. Il y a un défi comme un mot, mais. Kimbangi, c'est un bon. Voilà. Et que ton règne vienne. Voilà, ben, papa, c'est mon Kimbang. Tout ce que les papa, c'est mon Kimbang. Il y a un peu de sabiso. Tout ce qui se voit dans la combattante à paix, moi, la paix, moi, mon centre. Amen. Toyoki, quand Toyoki, to bomba et surtout to salela, o to zuilango, salut, bola mon aviso. Donc, o papa festiviso na bambo to zong sela kiviso, to yambango na esengo, et kota viso na se motema et vanda to salango. Na kovisa to bouli. Na kombo ya tata, ya mwana, Eli Moussa. Thank you.
tanza ya vuvama bakusadila pasi bakembela finama watale kambidi kulandanga dieti kwa muswa wameni vavanza vovendinga kudo tanza ya vuvama bakusadila pasi bakembela finama watale kambidi kulandanga dieti kwa muswa wameni vavanza. Tanzaya vuvama bakusadila pasi bakembela finama watale kambidi kulandanga dieti kwa muswanga wameni vavanza wiza ya lenza wavuvikayo bakusadila pasi bakembela Saka onso kwenye kina, kwenye naku zaya kali. Wiza ya lenza wakuvika yo, akusadila na pasi bakembela. Wiza kya onso kwenye kina, kwenye naku zaya kali. Sakya won't so quite.